はい、どうも、ボソレ TV のアマンディネです。で、本日は私のフランス人のお母さんと一緒に動画を撮ろうと思っております。内容としてはですね、まあ実は3年間日本に住んだんですけど、今年はフランスに帰国しましたので、私の生活と性格、あと、まあ思っていることなど、日本から帰国した時の間に、いろいろ多分私の性格について変わったと思いますので、本日はお母さんに、まあ帰国してから変わったことについて聞こうと思っております。で、その動画の、まあ、目的としてはですね、実際日本に3年間住んだら、フランス人の性格の中何かが変わるのか、良くなったところとか、悪くなったところとか、今日聞こうと思ってますので、ぜひ最後まで見てください。Alors, déjà, le Japon t'a changé sur une chose importante, c'est que t'es partie petite fille célibataire, puis t'es remariée, femme mariée. Donc ça, ça a été la chose bon, qui a vraiment changé. Ensuite, là, une chose qui a beaucoup évolué aussi chez toi, c'est que t'es revenue, mais parfaitement bilingue. Au niveau de japonais, enfin, je connaissais pas trop le niveau de japonais avant. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, tu parles comme si c'était ta langue maternelle, quoi. Je réfléchis plus. Tu réfléchis plus les dents, tu réfléchis plus. L'accent, je sais pas, je ne connais pas bien l'accent japonais. Mais apparemment, tu aurais un très bon accent, donc déjà c'est bien. Mais oui, le bilingue, ça c'est parfait. C'est vraiment. Surtout que le japonais ici en France n'est pas courant. Donc c'est un gros avantage pour toi. Donc ça, c'est parfait. Alors une autre qualité que j'ai trouvée chez toi au retour du Japon, c'est que avant de partir, tu prenais pas tes rendez-vous toute seule, tu parlais pas aux gens, c'était toujours maman, tu peux m'appeler, tu peux te prendre un rendez-vous pour moi chez le dentiste, chez le médecin, chez le coiffeur. Parce que j'étais timide, j'aime pas le téléphone. Voilà, t'étais timide. Et en fait, t'es partie au Japon, alors je ne sais pas ce qui t'a débloqué. Est-ce que c'est la fac, le fait de parler avec les gens? Est-ce que c'est ton travail? Je ne sais pas. Là, je te trouve, tu prends ton téléphone, tu téléphones partout, tu prends tes rendez-vous. Dis que je passe ma journée au téléphone. Non, mais on s'occupe plus de tes affaires. Ouais. Tu t'occupes toi-même de tes affaires, quoi. Tu me demandes plus, maman, tu peux prendre rendez-vous pour moi chez le coiffeur. Tu fais tout, toute seule. Donc, et puis tu parles aux gens, t'es beaucoup plus souriante, t'es plus avenante, beaucoup plus avenante qu'avant. Comme t'étais timide, tu rasais les murs pour pas voir les gens. Maintenant, c'est plus comme ça. Tu as la tête haute, tu regardes les gens, tu leur souris, ils disent bonjour, tu réponds, enfin bref, tu vois. C'était pas un défaut, mais bon, t'es timide. Mais disons que ça t'a débloqué la timidité, le Japon. Là, sur ce point-là, c'est vraiment bien, quoi. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'en fait, les Japonais, il y a beaucoup plus de personnes au Japon qui m'ont accepté directement et qui sont venues me parler, et qui s'étaient intéressées par la France, par la culture. Ce que je pensais, qui s'étaient intéressées pour me parler. Alors qu'en France, en fait, il y a peu de personnes qui étaient intéressées pour me parler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, rien que dans ma classe, qui étaient intéressés par le Japon, par ce que j'apprenais en japonais et tout. Donc forcément, j'avais un peu de mal à discuter avec les gens. Mais au Japon, c'est l'inverse. Comme ils voyaient que je m'intéressais à leur pays, il y avait beaucoup plus de personnes, mais pas forcément des Japonais d'ailleurs, parce que j'avais des Vietnamiens, des Coréens qui venaient parler aussi. Je m'en souviens. Il y avait beaucoup plus de personnes en fait qui étaient ouverts et qui s'intéressaient à moi, qui étaient contents de parler avec moi. Donc plus, moi, si les gens sont contents de me parler, moi je suis contente de leur parler aussi, tu vois. En fait, j'avais plus cette relation de confiance avec les gens au Japon, donc je me suis ouverte plus facilement. Et puis le fait que je travaille, forcément, c'est pas que j'étais obligée, j'aimais vraiment parler aux gens. En fait, c'était intéressant de discuter avec les gens, de tout et de n'importe quoi. J'apprenais des choses sur eux, sur leur vie, ils m'ont appris des choses aussi. Donc en fait, c'était vraiment intéressant de discuter avec les gens. Alors il y a une chose aussi qui a changé aussi, c'est que je pense que ça vient du Japon, forcément. Tu as une mentalité japonaise. Ça te va bien. Tu remercies, par exemple, tu me dis merci d'avoir fait les courses, merci d'avoir fait le repas. Alors qu'ici, on va pas me dire merci d'avoir fait les courses, merci d'avoir fait le repas. Pour ici, c'est normal. Ah, c'est parfois, tu m'envoies un message, merci maman d'avoir préparé le repas, merci d'avoir fait manger pour Gen, merci d'avoir préparé le bento de Gen. Alors que chez nous, c'est cool, on va pas me remercier. C'est bobonne, c'est son travail. Non, c'est peut-être pas bobonne, mais bon, on va pas me remercier.
Donc ça, je pense que c'est la culture et beaucoup plus... Beaucoup plus de gratitude envers les gens. Voilà, beaucoup plus de gratitude envers les gens, oui, c'est ça. Souvent, oh, je m'excuse, pardon, alors que ça nécessite pas forcément un pardon. Tu t'excuses, oui, voilà, t'as la mentalité assiette japonaise. Tu vois, ils s'excusent, pardon, excusez-moi. Attention aux autres, en fait. Oui, voilà, voilà. En fait, t'es beaucoup plus attentive envers les autres. Envers les autres, voilà. Qu'avant. Non, pas du tout. Tu m'aides beaucoup plus à la maison qu'avant de partir. Ouais. Ça. Mais ça, c'est peut-être parce que j'ai vécu moi-même toute seule et qu'en fait, je sais à tel point c'est difficile déjà de m'occuper d'un appart de 50 mètres carrés tout seul. Il y a aussi une chose. Alors là, j'ai pas compris. C'est que avant, pour te faire faire. C'est nul, hein, mais bon. Pour faire une prise de sang, il fallait aller à Dijon et voir un certain biologiste, pas un autre, hein, c'était lui. Il fallait se taper. Le gars à lunettes. 60 bornes le jour où il était là, à Jean. Oui, je me rappelle. Et puis t'es revenu, alors les prises de sang, ça passe tout seul. Oh, mais attention, je demande quand même une aiguille pour bébé. Hein. Ah oui. Je bon. Fais pas avec les grosses. Non, mais peu importe, parce qu'avant, boum, tu tournais de l'œil. Alors est-ce que c'est parce que Gaëlle est avec toi? Je ne sais pas. Donc je privilégie plus ma santé que le fait de foutre une aiguille dans le bras. Donc je me dis, bon, l'aiguille, ça dure 2 secondes, mais après, si ça peut donner résultat à quelque chose, je préfère savoir le résultat, on va dire. Au Japon, j'en ai fait combien des prises de sang? 3, 4, je crois, ou 5 même. Ils m'en ont fait souvent. Donc pour les trucs du travail, là, bien sûr. Travail et tout. Oui. Alors autre chose, c'est bon, bien sûr, c'est tes vêtements. Hein. Comme en France, t'as beaucoup de mal à trouver... comme t'es petite et pas épaisse, t'as la taille des japonaises, hein, la mensuration des japonaises, elles sont petites en moyenne et elles sont pas grosses. Donc t'as beaucoup de mal à trouver des vêtements et en fait t'as trouvé tes vêtements au Japon. Et c'est bien parce que bon, t'as trouvé enfin de quoi, enfin des choses qui te convenaient quoi. Et puis maintenant je vais chez Uniqlo. Voilà, maintenant quand tu vas sur Paris pour le travail, ben, tu vas chez Uniqlo. C'est vrai qu'en France, je trouvais jamais ma taille, je passais des journées dans les magasins, ça me saoulait en plus parce que je passais toute la journée à faire tous les magasins, je revenais avec quoi? Un truc et encore des fois, je revenais avec rien parce que je trouvais rien. Alors par contre, bon, ça, c'était les points positifs que tu as développés là-bas au Japon. Alors attends, je vais te poser une question du coup. Est-ce qu'il y a des choses que j'avais développées en allant au Japon à 16 ans toute seule ou alors j'ai vraiment tout développé après avoir passé 3 ans? Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient quand même pas mal changé les deux premières fois où j'ai été? Le niveau dans le japonais. Forcément, ton niveau de japonais, oui. Mais non, sur un mois, t'as pas pu changer. Sur un mois, c'était pas assez long. Bah, depuis que je suis avec Gen, est-ce qu'il y a des choses qui a changé par rapport au fait que je suis avec lui? La première fois, quand t'es venue en mars, en 2019, je pense que oui, il y avait des choses qui avaient changé. Puisque déjà, tu rencontrais Denis pour la première fois. Et le courant avait tout de suite passé. D'habitude, t'es pas à l'aise comme ça avec les gens. Mais pour que quelqu'un que tu connaissais pas, j'ai trouvé que t'étais très à l'aise avec lui. Donc ça, c'était super. Comme les Japonais disent pas ce qu'ils pensent vraiment, on va dire qu'ils essayent d'éviter de blesser la personne en face, etc. Gen voulait savoir du coup si moi j'étais devenue pareil, si, parce que les Français en général ils disent ce qu'ils pensent, même si ça va blesser la personne, alors qu'au Japon ils évitent. Et Gen voulait savoir du coup si j'étais plus sur la façon japonaise d'éviter de dire ce que je pense ou si j'étais comme avant, comme en France. Non, tu dis ce que tu penses. Ah, ça a pas changé. Non, ça a pas changé. Quand il y a quelque chose qui va pas, tu le dis. Alors c'est peut-être en face de japonais que je vais faire attention, mais les français je fais voilà. Pas gaffe. Ben, en français, allez hop, boum, si ça blesse c'est pas grave, c'est français, de toute façon ils ont l'habitude. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Non, tu as toujours dit ce que tu pensais. Donc ça, ça a pas changé. Alors il y a plusieurs points en fait qui t'es revenu du Japon et qui sont pas tout à fait pareils, et là je dirais que c'est pas vraiment des côtés positifs vis-à-vis de nous les Français. La première chose, c'est que comme là-bas ils parlent très vite, quand t'es revenu, tu parles très vite. Et nous, il y a des fois, on n'arrive pas à te suivre. C'est pour ça que vous faites un quoi ? On arrive pas, oui. Alors, surtout ton père, il y a des fois, il te comprend pas et il te fait répéter. J'ai l'impression d'avoir papier mamie, tu sais pas, moins vite. Oui, bon, moi je te suis. Mais papa te suit pas toujours et c'est vrai que. D'accord, je savais même pas. Ouais, bah si, t'as un débit de parole assez. Impressionnant. D'accord. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, beaucoup de mal avec le bruit. Ah oui, ça, oui. Alors, comme le Japon, c'est calme,
les gens dans le train et tout arrivent à dormir alors qu'ici c'est pas possible, c'est la foire. surtout quand il y a des gamins, alors là c'est la maternelle, c'est la corde. Ah bah là je l'ai eu, hein, le TGV pour Annecy avec les gamins à l'école. Quel n'a pu s'en rendre compte alors... qu'en France les trains c'est la récréation. Ah ouais, non mais... Bon, surtout quand il y a des gamins. Donc le bruit, ça j'avoue que les Français, nous on est assez... On a le ton haut, on est bruyant, et que toi, ça a été vraiment un point très difficile. Mmh. T'arrêtais pas de nous dire baisse le ton, parle moins fort. Mmh. Mais nous, on a vécu comme ça pendant des c'est années. C'est vrai que le bruit maintenant, en fait, le fait d'avoir vécu 3 ans au Japon, où les gens font attention en fait à leur environnement, c'est stressant quand t'as du bruit. Mais puis alors, quand il y a Geoffrey, alors... C'est encore pire, bah bon, peu importe. Hein, parce que, oui, c'est lui, la ferme. Parce que lui, prof, il doit se faire entendre de ses élèves. Geoffrey, quand il est là, je me fais, mais en fait, c'est horrible. Mais oui, mais c'est normal. Il parle encore plus fort que vous. C'est normal parce qu'il il doit gérer des élèves de lycée, donc il est obligé d'élever la voix pour se faire entendre. Mmh. Donc lui, il fait plus la différence. Donc, mis à part le fait que tu parles vite et que tu ne supportes pas le bruit. Et encore maintenant le bruit ou ça va mieux? Ça dépend, ça me fait tiquer en fait, on va dire. Donc voilà, enfin bon, il y a eu plus de... En fait, quand tu es revenu du Japon, il y a eu plus de positifs que de négatifs, tu vois. Mmh. Il y a plus de choses positives que de négatives. On va dire que le bruit c'est un peu positif dans un sens, c'est que moi je fais moins de bruit. Donc du coup en fait je vous gêne moins qu'avant. Bah tu nous gênes pas. Hein. Non mais il y a plus de positifs que de points négatifs. Hein. Parce que moi le débit de parole, moi ça me gêne pas. Hein. Quand t'es en train de me dire qu'il faut t'envoyer au Japon 3 ans pour que tu parles moins fort. Peut-être. Il faut que j'aille vivre au Japon 3 ans et puis je reviens complètement transformée. Hein, alors... Bilingue, je sais pas. Mais... Non, pas bilingue, avec un accent à la olé olé là. Je sais pas, mais depuis 3 ans, je crois pas que je pourrais m'éloigner 3 ans sans mon mari, c'est pas possible. Bah, par vidéo. Non, même, je peux pas. C'est des choses en fait négatives, mais vues par un Français, on va dire. Quand tu prends du recul, c'est bon, c'est pas forcément mais si négatif que ça. Non, non, en fait, c'est des choses négatives. Si on veut, parce que le débit de parole, moi je l'ai pas le problème, c'est papa. Mmh. Je ne sais pas. En fait, moi, les Japonais, quand ils parlent pas, j'ai l'impression qu'ils font la tête, quoi. Les gens, quand ils parlent. En fait, quand. Ils se replient sur eux-mêmes, mais pour le silence intérieur, c'est on ça. Va dire. En fait, quand les gens parlent pas au repas, pour moi, j'ai l'impression que les gens font la tête. Non, ils apprécient le moment. Ouais, ouais. Tu vois. ということでこれでこの動画が終わります。いかがだったでしょうか。皆さんは逆に自分の家族の中に誰かが海外に行ってから、まあ、日本に帰国したら変わったところとかありますか。まあ、自分でもいいんですよね。もし海外に行ってからなんかこれが変わった感じがしますとか何か意見あれば教えてください。コメントの方にもお待ちしております。はい。で、このチャンネルにまだ登録されてなければ、今、もうすぐ10万人になっております。皆さんと一緒に10万人目指しておりますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、merci de nous avoir écouté. À la prochaine.